من يهده الله تعالى لنور الايمان والاسلام فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له صلوات الله البر الرحيم والملائكه المقربين على سيدنا محمد خاتم الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. يقول الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Chercher la provision. Et la meilleure des provisions, c'est la pieté. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملاً أن يتقنه. Notre bien-aimé le prophète Mohammed a dit, Allah a gré que si l'un de vous a fait un acte, qu'il le fasse parfaitement. On a dit, ô messager de Dieu, comment l'acte sera accompli parfaitement Il a répondu avec la sincérité, sans l'ostentation et sans une mauvaise innovation. Alors on le fait selon la sunnah et on délaissent les mauvaises innovations. Et on le fait pour l'agrément de Dieu et on ne cherche pas les louanges des gens. C'est deux choses essentielles pour que l'acte soit parfait et par la suite agréé et accepté et celui qui l'a accompli sera récompensé. ما جاء في الكتاب والسنة وأن يكون مخلصا خالصا لله عز وجل ليس فيه رياء وليس للسمعة وليس لجلب الثناء من الناس إن شاء الله تعالى في هذه الأسابيع القادمة سنشرح كتاب قرة العينين في تربية الأولاد وبر الوالدين جدي إن شاء الله تعالى نذهب Euh, Commencer l'explication d'un livre de l'imam Ibn al-Jawzi, qu'il a fait un, un, petit conseil, un petit conseil pour son fils et il l'a nommé Laftatul Kabid et la hatil Walad. C'est comme il a dit, un conseil qui vient du cœur pour le fils. Et on dit laftatul kabid, parce que tu sais, l'enfant, il est une partie du foie. On dit falazatu akbadina, on dit pour nos enfants, falazatu akbadina, li'anna l'walad min abawai. L'enfant, il est une partie de euh, ses parents. Et on peut dire c'est une partie du, du foie, parce que Almani, à la base, il passe. باغ سي ممبر باغ سي فلذة الكبد. وهي نصيحة euh, عمل بها euh, ابو ابو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي اراد أوجهها لابنه ابي القاسم. Euh, فإن الولد من صغره اذا

plein de bonnes choses alors il sera un homme qui fait des choses profitables pour lui et pour les autres euh, et si euh, tu l'as laissé tu l'as délaissé et euh, tu as laissé les malfaiteurs lui donner des mauvaises habitudes et des mauvaises choses alors il grandit avec ça et il sera un homme qui fait du mal à lui-même et à ceux qui sont autour de lui. Et il a dit, Ibn Jawzi, Rahimahullah, Rahim, Nasta'in. Et il a commencé par Al-Basmala, les Tabarruk. Euh, il a commencé par Al-Basmala pour chercher la baraka et la bénédiction. Et tu sais, le nom Bismillah, ça veut dire je commence par le nom de Dieu Azza wa Jal, Allah, ar الذي وسعت رحمته في الدنيا المؤمنين والكافرين الرحيم الذي يخص برحمته المؤمنين في الدنيا والاخره alors Allah celui qui a la divinité celui qui a l'attribut de faire surgir de néant à l'existence هذه الالوهيه القدره على الايجاد الالوهيه الله من له الالوهيه c'est la, euh, la la l'attribut la de faire surgir de néant à l'existence Al-Rahman, celui par sa clémence a englobé les croyants et les non-croyants dans ce bas monde. Al-Rahim, celui qui est très clément ou miséricordieux envers les croyants dans le bas monde et dans l'au-delà. Lakan, akhirah hamul kafirin dans l'au-delà, Allah n'est pas clément envers les mécréants. Ce qui signifie dans le bas monde, ma clémence a englobé toutes choses, elle sera réservée pour ceux qui délaissent la mécréance et toutes sortes de chirques et de mécréances. Nous demandons l'aide de Dieu dans cet acte de bien, dans ce conseil.

On dit une personne dont l'a guidée, c'est Allah qui l'a guidé. il a créé en lui l'acte de la foi et l'acte de l'obéissance. On dit une personne humiliée, ça veut dire Allah l'a humilié par le fait de créer en lui l'acte de la désobéissance et de la mécréance. Ibn Jauzi, Ibn Jauzi, كلمتين عنه له نحو مئة مؤلف من مؤلفاته ما هو كبير ومن مؤلفاته ما هو صغير الحجم ولكن عظيم النفع ابن جوزي سان امام حنبلي سان امام حنبلي مي ليس مجسما il a fait plusieurs livres il a fait certains livres pour denoncer les anthropomorphistes عمل كتبا رد فيها على المجسمه ومنها il avait à peu près 100 livres il y en a certains qui sont grands comme tu dis Zad el-Masir dans l'explication de coran le, le karim c'est un bon tafsir et d'autres livres qui sont dans le volume ne sont pas grands mais qui contiennent beaucoup de, de bonnes choses c'est un livre petit, mais il est bénéfique. Il faut le lire en ayant le cœur présent. C'est un livre que lui, il a fait des séances. Et il commence par un, une jolie introduction et il termine par des jolis conseils. Il traite des sujets. Encore, c'est un livre très important. Pour tout, yani surtout pour ceux qui font les discours de l'imam ou des, des gens qui enseignent et celui qui veut observer un petit peu son cœur Ibn Jauzi Ibn Jauzi a excellé par la guidée de Dieu dans l'exhortation il faisait des séances et il touchait beaucoup les gens qui sont dans les péchés et on rapporte qu'il y avait plus que 40 000 qui se sont répandus suite à ces exhortations et ces cours et ces séances et il y avait quelques milliers en rapport qui ont embrassé l'islam par lui et Bar'a Velwaz taba à la yadehi a kfar min arba'in alf wa aslama ala yadehi alaf wa kana la yatruk 20 rak'a fi kulli layla akalluhu 20 rak'a fi l'hadar wa al-safar. il maintenait de prier 20 rakats à part l'huître chaque nuit qu'il soit en résidence, en résidence ou en voyage il faisait 20 rakats on a réuni les taillures de ces crayons parce qu'à l'époque on fait des, des, des crayons en taille des fois avec les plumes, des fois avec euh, des bois ou roseaux. Puis après, l'on criait, on met, on écrit. Ça prend du temps. On a appris, parce que peut-être lui, il mettait à côté et on a réuni. Et lorsqu'il est mort, on a pris cet aïeul, on a chauffé l'eau qu'on veut l'utiliser pour le laver. Alors c'était beaucoup plus de ce qu'on a besoin. Beaucoup plus de ce qu'on a besoin lorsqu'on a chauffé l'eau avec laquelle on voulait le laver. J'essaie ta'ala. ansha al -abal akbar jessaye de donner une explication bref à ce livre. peut-être des fois je détaille un petit peu s'il y a une raison ou une chose importante. mais bien sûr je ne veux pas si je dis alhamdulillah je ne veux pas rester un mois en, en, étant, en, en expliquant alhamdulillah. En parlant tout le livre de la al-Tahawiyya, en parlant de Alhamdulillah. Non, il y a chaque, chaque euh, cours, chaque leçon, il a sa place. Alors, Mais des fois, c'est important qu'on donne une petite explication en plus. Alhamdulillah, kalimatun, min a'vam kalam, bada kalimat la ilaha illallah wa subhanallah, wa ba'doum yajalwa kabla subhanallah. Le mot Alhamdulillah, c'est le troisième mot dans l'islam. Par le mérite, après la ilaha illallah et subhanallah, même certains ils la considèrent, alhamdulillah, avant subhanallah, comme un mot de mérite. Ou pta'arfou bil mizan, subhanallah alhamdulillah, tamla'an Le mot subhanallah leur récompense remplit le plateau de al -hasanat. Ça veut dire, on loue Dieu sur les bienfaits qu'il nous a octroyés sans que cela soit obligatoire sur lui. Grâce à Dieu, on est venu à la mosquée par nos pieds. Grâce à Dieu, on a pu où mettre les pieds parce qu'on a les yeux. Grâce à Dieu, on est venu au cours parce qu'Allah nous a donné lui pour entendre. جراس اد يو اوني تاسي دون مانيير اون بو بوجي ا دروات ا غوش شونجي لا مانيير دو ساسواغ باسكو الله نوزاكري ترووا سونسون اوس بغيف وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها فلله الحمد على ما انعم ونحمده تخصيصا على ما انعم من نعمة التوحيد ونحمده تخصيصا ان جعلنا من امه النبي محمد ونحمده على الخصوص على الخصوص أن جعلنا من أتباع الإمام الأشعر والما تريد عقيدة ونحمد على الخصوص أن هيأ لنا عالما جليلا عظيم المقدار متواضع خلوق أدوب خادم للإسلام والمسلمين هو الشيخ عبد الله الذي دلنا على هذا الطريق والذي عرفنا بهؤلاء العلماء Alors j'ai spécifié par les louanges le fait que Allah subhanahu Je spécifie par les louanges le fait qu'Allah, parce que j'ai cité les mains, les pieds, grâce à ça on est là, lui il a vu les pieds, mais plus spécifiquement, combien bien fait, c'est la foi. Et le fait qu'Allah a fait qu'on est de la communauté de Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et encore le fait qu'Allah a fait qu'on est parmi ceux qui ont suivi les deux grands imams, Al-Ash'ari al les deux imams de Ahl-Sunnah et encore, nous louons Allah que à cette époque-là, là où le Nabi a dit Lorsque tu vois les gens, c'est trop que tu lui dis de vendre des chiclettes, mais il est un mufti. Mais c'est trop, c'est beaucoup. Pour vendre des chiclettes, il y a des, des lois, il y a des règles et ces gens-là ils n'ont pas ces règles mais ils sont désignés comme mufti ou comme juge comme khatib comme imam Allahu Akbar Louange à Allah qui nous a fait connaître Cher Abdullah qui a servi l'islam et les musulmans qui a servi l'islam et les musulmans et lorsqu'il est mort il n'a pas laissé des villages dans son héritage ni des châteaux ni des maisons mais je sais que dans ces aumônes, il a donné à certains de quoi acheter des appartements ou de quoi acheter même des, des terrains. Alhamdulillah, qu'on a fait connaissance avec cet imam qui nous a, lui, il nous a parlé d'Ibn Jauzi. Sinon, moi, d'où je vais connaître l'imam Ibn Jauzi ou l'imam Al-Baqlani, Ibn Furak, al bahili l'imam al Al-Nawawi, l'imam al Al-Ghazali. Cet imam-là, il nous a montré la voix de ces... Et il a, il a, met, il a, il a chargé un hein, ou deux élèves qui partaient dans le, tous les coins dans le monde pour chercher les rares manuscrits de ces grands imams pour vérifier des fois est-ce que ces livres qui est imprimés est corrects et pour revenir à la base parce que beaucoup parmi les bons livres étaient des manuscrits non imprimés. Non imprimés parce qu'on était dans le 60 ans passés, on était dans l'époque que la plupart des livres imprimés c'est les livres d'el-mujassima al al-al-mushabbiha al-wahabiyya fa'kan elahoudoura al shaykh abdullah fit-tubat kafir min haddil il kutub al-nadira wa vu chez lui lorsque certains viennent ils voient, il voit les masquilles chez le cher et il voulait à tout prendre pour mettre son nom que l'autre prend son nom et imprimer en ayant son nom et le cher n'a jamais fait ça vous avez vu le cher qu'il a imprimé ses livres en mettant ataqir ou ça pas du tout, mais il voulait que le, la science se propage. il a dit, louange à Allah, qui a créé notre grand père, le grand père, il voulait par ça Adam, il l'a créé de la terre, la terre de ce terre avec l'eau du paradis, turab al-ard wa ma al-janna. Comme Allah a dit, les êtres humains ils sont créés à la base de c'est du mani de l'homme et de la femme. Et le mani de l'homme, il passe par le colon vertébral, le dos et le colon vertébral. Et le mani de la femme, encore, il passe par les os de la poitrine. Scientifiquement, on sait bien que le mani avant qu'il sorte il a tourné dans tout le corps il a passé par tout le corps parce que c'est quelque chose qui a un lien avec le sang et par la suite il y a certains organes dans le corps qui font que le mani sera prêt mais avant ça il était dans un autre état et il a circulé dans tout le corps et de là vous voyez après ce qui prouve la puissance de Dieu Azza comment l'enfant sa voix ressemble à la voix de son père, mais des fois, ça, ça, la sourire, il ressemble à la sourire de sa mère. Comment il marche, et il ressemble à, soit des fois, son père ou sa mère, ses réactions, son comportement. Et pourquoi Parce que, Il a passé dans tous les membres de son père et le membre de sa mère, افون كيل سوا هو من ايش مخلوق؟ من هذه اللي بيقولوا لها ان هن بيقولوا هذا الشيء النقطه من المني شيء صغير وبعد ذلك تجد ان كثير حتى من الاخلاق حتى الكرم حتى الشجاعه دي فوا ابخي تي تخوف كو ميم لا جينيروزيتي Même le fait courageux, il est comme son père, même son intelligence, sa belle voix, même des fois les gestes des mains, la manière de marcher, comme la mère ou le père. Il a créé Adam de la terre et il a créé ses descendants de le colon vertébral et les, euh, les os de, 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 de Coras de la femme, de la poitrine de la femme. وعضّض العشائر بالقرابة والأنساب. الله تعالى Après les grands tribus, ils, seront, ils trouvent de la force et de soutien par les liens de parenté. Au جدا يكون الواحد يهتم Dans la religion est une chose très importante que la personne euh, prend soin de ses proches du côté père et du côté Mère, les, côtés, les proches du côté père et du côté mère, voilà, on cherche à consolider. Et Allah Ta'ala a fait que grâce à ça, après, on trouve la force dans la tribu. Et grâce à ça, après, il y a des choses bénéfiques. Que l'ennemi n'ose pas t'attaquer parce qu'il y a tout un groupe de gens autour de toi. Et tu c'est un grand soutien. c'est un grand soutien lorsque il y a la grande famille qui sont avec toi et derrière toi. قال وأنعم علي بالعلم وعرفان الصواب يعني هو عالم عرف نفسه أنه عالم وهذا هو ورجل يدري ويدري أنه يدري فهذا عالم فاتبعوه فرجع بالفضل لم يقل هذا تكبرا إنما قال تحدثا بالنعمة ألوغ إلى دي ابن الجوزي وأنعم علي بالعلم وَعِرْفَانِ Allah Ta'ala a fait par son bienfait sur moi il m'a donné il m'a octroyé la science et le fait de savoir ce qui est juste et on a dit que Ibn Jauzi a dit ça c'est pas par vanité ou orgueil ou fierté mais plutôt pour remercier Dieu et montrer les bienfaits de Dieu sur lui et comme il a dit Sayyidina Ali que euh, les, les catégories des gens et il a cité euh, une personne qui sait et il sait qu'il sait, c'est un savant, suivez-le. Rajulun yadri, wa yadri Haza alimun, Wa wa hafidhani fi Encore, il l'odieux sur le fait que il a été bien éduqué lorsqu'il était enfant, c'est-à-dire son père ou celui qui a pris la responsabilité sur lui, il l'a bien éduqué, il l'a bien élevé. Et il a dit, encore, il m'a préservé dans la jeunesse. Parce que des fois, les parents, ils font beaucoup du travail dans l'enfance, mais après la mauvaise fréquentation à la jeunesse, à l'adolescence, tout part et puis et il y aura des choses graves qui se passent. Et lui, il a dit, Allah Ta ala a pris soin de moi lorsqu'il était enfant. Il y avait ceux qui ont pris soin de mon éducation. Et en étant jeune, Allah m'a préservé de la désobéissance. La jeunesse, c'est là où il y a la force, c'est là où il y a les moyens, c'est là où il y a euh, des fois la, la, le physique euh, et la mauvaise fréquentation. Ou la fréquentation a un effet. Si tu as des bons, des bons amis, tu es bien. Si tu as des mauvais amis, alors... بعد يمكن الآن لو خرجنا ولو خرج واحد مثل حمادي مثلا ليشوف قدام المسجد في حدا حيشوف واحد ماسك له أربعة عم يلهيهم عن حضور مجالس العلم، فبيكون هذا هذا سبب للبعد عن العلم، هذا يحذر منه، يبتعد عنه، لكن بدنا واحد يقول آه لما أتيت؟ لِمَ أتيت إلى المجلس عندما بدأ؟ المطلوب أن تأتي إلى المجلس قبل أن يبدأ تعرفوا بصلاة الجمعة اللي بيجي بآخر ساعة يعني قبل ما يطلع الإمام بس بآخر ساعة كمن قدم بيضة ومن أنت بأول ساعة كمن ذبح ناقة جمل alors j'ai dit euh on, on veut de la bonne fréquentation ceux qui nous disent qu'il faut être pour la prière mais avant l'heure parce que tu es dans une prière tant que tu attends la prière que tu viens à la leçon avant l'heure Avant l'heure, tu prends ta place, tu prépares ton stylo, tes papiers, tu prépares ton livre, alors tu l'achètes, tu le prends, tu dis je suis, je prends note, mais pas quelqu'un qui vient à la moitié et il se met devant, c'est pas seulement ici, partout hein, tu trouves, partout tu trouves des gens, et, et il se met dehors, il est en train de parler, il cherche quelqu'un à parler des parlotes inutiles, qui ne sert à rien. Et à la fin de la leçon, pour dire j'étais présent, avant de faire dua, il rentre, il descend vers l'escalier, comme quoi j'étais avec vous. Non, on n'a pas besoin de gens comme ça. On veut des gens qui disent on veut qu'on soit avant l'heure et on attend. À l'exemple de Jum'a, celui qui vient à la dernière heure avant que l'imam se lève, c'est comme il a donné un neuf. Mais celui qui est venu dans la première heure, comme s'il a égorgé un chameau et il a donné aux pauvres. ورزقني ذرية أرجو بوجودهم وفور الثواب. إلى دي إلى لوي ديوك لو فيت بوكو دونفون. Et دي a dit, بوكو d'avoir beaucoup, beaucoup de récompenses par لأنه انت إذا أدبت الولد وصار يدعو لك وصار يعمل الخير وكنت سبب فتكسب منه حتى بعد مماتك صدقة جارية. Si tu as donné, il a dit, Allah m'a Il a éduqué ses enfants. Il cherchait par la bonne éducation que même après sa mort, lorsqu'ils font du bien, et c'est lui qui l'aura orienté, il l'a éduqué, il l'a ordonné, il aura enseigné. Alors la personne sera récompensée par les actes de bien que ses fils ou ses filles ont fait après lui, parce que c'était lui derrière. Alors il sera récompensé. Enfin, lui, il a espéré ça. وقال رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب هذا من سوره ابراهيم سيدنا ابراهيم دعا بهذه الدعوه فابن الجوزي دعا بها كما دعا بها ابراهيم رب اجعلني مقيم الصلاه جديس آية من سوره ابراهيم ايه 41 اي سي ابراهيم كي دعاء Et ابن الجوزي سويفي ابراهيم أو من دعاء de ابراهيم القرآن إلى ديكوا رب اجعلني مقيم الصلاة ولو أنت مصلي الآن معنى هذا يا رب ثبتني على إقام الصلاة كل صلاة تصليها فهذا من فضل الله عليك الله أنعم عليك الله حبب إليك وإلا بعض الناس الكسالى بيأكل مثل التور وما يقوم يصلي « Rabbi, j'alni muqim as-salah »« Oh Allah, fais que je serai parmi ceux qui prient » Et Sayyidina Ibrahim a dit ça Parce que Sayyidina Ibrahim, s'il si a prié, c'est grâce à Dieu C'est Allah qui a guidé Ibrahim à prier Et si toi tu as prié, c'est grâce à Dieu Et chaque prière que tu as fait, c'est grâce à Dieu Et si tu demandes à Allah Ta'ala « j'alni muqim as-salah » Ça veut dire « Oh Allah, fais que je serai parmi ceux qui maintiennent la prière jusqu'à la mort » Et pour mes descendants, encore qui seront parmi ceux qui maintiennent la prière. Parce que j'ai dit, si tu as prié, écoute bien, c'est un grand bienfait. C'est un grand acte de bien. Tu as fait la prière. Parce qu'il y en a des gens, même des gens qui ont appris avec nous prière, Ils ne prient pas. Ils ne prient pas. Ils sont tellement paresseux. Mais lorsque tu lui mets à manger, il mange comme un taureau. Et il boit comme une vache Qui donne le lait par la suite Mais lui il ne donne pas du lait Et lui il est tellement paresseux Il mange de ce qu'Allah a créé Il boit de ce qu'Allah a créé Et il a la tête lourde Il se lève pas pour prier Il a dit oh mon seigneur Exauce à mon doigt il y a aussi des Les prophètes sont immunisés contre la mécréance. Et quand même, ils demandent à Allah Ta'ala qu'il le préserve d'adorer les idoles, lui et ses descendants. Et nous aussi aujourd'hui, avec les jours qu'on voit des gens à bas niveau, et ils veulent, ils veulent parler dans des choses très délicates dans la religion, et ils font vraiment des fitna نقول ربنا تقبل دعاء اللهم ثبتنا على الاسلام اللهم ثبتنا على, اللهم ثبتنا على الايمان اللهم ثبتنا على الايمان اللهم ثبتنا على الاسلام اللهم احفظنا من اهل الشر والفساد البعض الناس بيقول عن حالهم انهم لي لغفيه اي غفيه في ناس شافوا النبي محمد وكفروا وحافظوا سوره البقره وكفروا لكن الارض لم تقبلهم واحد منهم الارض ما قبلته Il y a des gens qui se disent les réveillés. Quel réveillé Quel réveillé Il y a des gens qui ont vu Sayyidina Muhammad et qui ont écrit sur tel et l'ont appris. Il a été en Éthiopie et là-bas a mécru. Il y a un autre qui a été en Jordanie et il a mécru. Lorsqu'on l'a enterré, la terre ne l'a pas accepté. Il yani, y si a quelqu'un, il était avec nous et, et soi-disant...

Encore, Sayyidina Ibrahim a fait dua pour lui, pour ses parents, pour les croyants, et nous aussi, on demande à Allah Ta'ala qu'il soit clément envers nous, envers nos parents, envers les croyants le jour des régnés. Et Ibn Jawzi a cité al au début de son livre, Laftatul Kabid. يقال إن هي فصل الخطاب أن الله آتى داود فصل الخطاب فقوله فصل الخطاب هو قوله أما بعد ألوغ أوتي الحكمة وفصل الخطاب فصل الخطاب Certains ont dit, c'est le fait de dire, lorsque tu commences par quelque chose, une introduction, et tu as un sujet, tu veux l'aborder, tu dis « Amma ba'd ».« Amma ba'd » maqil, « Al-an, sa'akul lakum ».« Yaqul, amma ba'd ».« Fa'inni lamma araftu sharafan nikah, wa talab al-awlad, Ibn a dit lorsque j'ai su le mérite de mariage, et dans l'islam, le mariage avec quatre, c'est pas une sunnah, mais c'est une permission. Allah Ta'ala a fait que le mariage avec quatre femmes, l'homme a le droit de se marier avec quatre femmes, ce n'est pas une sunnah, mais c'est une chose permise. Euh, il n'est pas obligatoire non plus, mais c'est une chose permise. Et lui il a dit lorsque j'ai su le mérite de mariage, euh, il a dit j'ai demandé à Dieu à zawajal euh, qu'il m'accorde, qu'il me donne des enfants. Mais il a dit j'ai récité tout le Coran avant de faire le Il a récité tout le Coran dans l'intention d'avoir une invocation exaucée. le Dua est après la fin du Coran. Hein, une, une, une parmi les causes pour que l'invocation ex, soit exaucée Le fait de le faire après la récitation de tout le Coran Alors lui il a fait ça Il a récité tout le Coran et, et il a fait la dua par la suite Que Allah lui accorde dix, euh, dix enfants Il a demandé à Allah Ta'ala d'avoir dix enfants Allah m'a donné dix lorsque la personne aura deux garçons deux filles vraiment c'est un grand plaisir parce que et parmi les bienfaits certains dont le bas monde ils disent c'est le choix des rois C'est ce que j'ai entendu mais lui allah lui a accordé cinq garçons et cinq filles فمات من الإناث اثنتان ومن الذكور أربعة. Il a eu cinq et cinq. Parmi les filles, il y avait deux qui sont mortes et parmi les garçons, quatre qui sont morts. Et il lui Allah lui allait laisser un. فشوفوا هذا العالم الجليل لم يعترض واحتسب الله رزقه و وبهذا الموت لما ماتوا واحتسب ذلك له أجر كبير عند الله. C'est lui un garçon ou deux qui sont morts et qui a patienté. Ah, il aura la maison de l'Hamd dans le paradis. Qu'est-ce qu'on dit lorsqu'on dit quatre garçons qui sont morts et deux filles Il a dit ce qu'il me restait parmi les garçons, mon fils seul, unique, qui irait me rester, qui s'appelait Abul Qasim. Et a dit je demande à Allah Qu'il soit une bonne, euh, un bon Un bon remplaçant, Qui remplace son père Qui suit son père Sur la bonne voie Alors, je al Tu vois al qasim Je ne sais pas à quel niveau était Abu qasim mais mais le petit-fils de ibn jauzé on le nommait Subt ibn jauzé le petit-fils alors c'était quelque chose d'exceptionnel quelque chose de grand on dit que le sibt il wa al le bihi était un grand grand homme de bien lorsqu'il faisait les conseils et les exhortations encore les gens pleuraient dans la séance il touchait beaucoup les gens dans leur séance et il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, il a demandé à Allah ta'ala qu'il soit un bon remplaçant, qui remplace son père et qu'il le suit dans les bonnes œuvres. Et on a dit que le père sera récompensé s'il a éduqué comme il faut son fils et que son fils a suivi le bon chemin, alors le père sera récompensé. Il a dit, j'ai regardé, j'ai constaté une certaine négligence, une certaine marche lentement dans le bien, taouanine, taouanine, quelqu'un qui ne bouge pas assez, ne fait pas assez. Je l'ai vu, il y a une sorte de taouanine dans le bien. Puisque je l'ai trouvé un peu... Il ne va pas avec motivation pour apprendre la science. Ah, il n'avance pas comme il faut dans le fait de rechercher la science. Alors je lui ai écrit cette euh, brochure, ce petit livre, ce, ce conseil. Alors je le motive Je l'oriente je le, je, je le pousse à me suivre dans mon chemin Dans mon chemin de euh, De la science Chercher à apprendre Chercher à connaître Le savoir Léanna <t 'en> Attaallum wa ta'alim Anfasu ma yusrafu bihi Nafa'isu al-awqad Hada al-shaykh Abdullah Shaghalana bihi alors il a dit Ibn Jauzi que j'ai fait ce conseil à mon fils qu'il me cherche qu'il cherche à me suivre dans l'apprentissage de la science il a dit parce que le fait d'apprendre et vulquer, c'est apprendre pratiquer et enseigner c'est la, la la meilleure chose pour laquelle qu'on dépense notre temps. Parce que tu peux faire toute la nuit des sunnans. Tu peux faire toute la nuit des sunnans. Mais si tu travailles dans la science, tu apprends 3 quatre questions, et tu es dans l'intention de les enseigner, ou tu les enseignes à quelqu'un, tu as plus de récompenses que le fait de faire son rakat. Une fois, je vous ai dit, l'imam Ahmad avec sa fille Fatima, toute la nuit en train de prier. L'imam Shafi'i était, à, imam Shafi était comme, chez eux comme invité, s'est allongé. Après, à Soubah, Allahou Akbar, mais la fille, elle dit Mais elle voulait, elle a, mais, mais tu dis, le, le, le fait de dormir, ça n'a nulle au dos. a dit Mais je pas dormi. Mais j'ai pu réviser, j'ai pu vérifier, valider 200 questions. Allah n'a قلت له الست تقول النوم ينقض الرضو؟ قال بس انا ما نمت انا في هذه الاستلقاء راجعت 200 مساله حررتها نظرت فيها من جديد بالادله والحكم الذي استخرجت فيه مع التحرير أو توثقت منه فقال لها احمد ارايت نحن طول الليل انا وياك عم نصلي وهو في هذا الاستلقاء سبقنا الى ديل إمام حدث في تفوا nous toute la nuit on est en train de faire debout rukoua, sujoud, et l'imam ahmad al-Shafi'i est allongé et il nous a dépassé par la récompense parce que il passait le temps par la science et si tu, tu passes le temps par la, la science et c'est parmi les choses obligatoires des fois individuelles des fois collectives dont l'obligation il y a plus de récompenses. et c'est ce que je dis que Cheikh abdullah Bien sûr, il, il faisait toujours la sunna devant nous, le subha. Il est souvent dans sa main. Le zikr, euh, je vous ai dit, le zohud de tasawwuf, Mais le cher Abdullah a mis dans les cœurs de ses élèves l'amour d'apprendre et enseigner. Amour. Parce que, regardez, il a dit, et c'est la parole de Shafi'i d'ailleurs. Le meilleur, le meilleur chose que tu fais. Pour remplir ton temps dans le bien, c'est le fait d'apprendre et enseigner. Mais attention vers une chose entre les deux. Apprendre et enseigner, il y a entre les deux quelque chose. Et pratiquer avec sincérité. Non hein? pas apprendre et enseigner et rien pratiquer. Non, ça ne va pas. Apprendre et enseigner. Mais il y a quelque chose entre les deux. C'est l'action avec l'éternité. Nous le demandons, subhanahu نساله سبحانه الذي ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، يعني من العاملين الصادقين المخلصين الخاشعين الذين لا يريدون ثناء من الناس انما يريدون يريدون من المولى الرضا. على كل انا يعني اظن انه باربع مجالس او خمس مجالس قد لا انهي جو بونس كو دون جو في با اي سو Je pense, dans dix ans en arrière, j'ai déjà expliqué au début qu'on est rentré dans cette mosquée. Et la plupart de parmi vous ne se rappellent pas. Mais je vous dis, c'est un petit livre que moi j'ai trouvé dedans. À chaque fois que je lis dans le livre, ça me touche. Et c'est un livre vraiment Kitabun Mubarak. Ou Kalam le, le Ibn lorsqu'il a vu que son fils, lui, il a dit il avait une certaine négligence, ses conseils ont sorti de son cœur profondément, avec sincérité. C'est pour cela que étaient ces paroles très touchantes, même pour celui qui lit. Alors maintenant, pour nos frères les francophones, essayons, essayons de traduire. وادلة على الالتجاء الى الموفق سبحانه وتعالى لان التعلم والتعليم انفس ما يصرف به نفائس الاوقات وادله مش ادلة وادله على الالتجاء الى الموفق سبحانه سي لا سيونس كي تنديك كومون سو الله سبحانه وتعالى à l'adoration à l'obéissance de ton هذا العلم هو الذي يدلك على الالتجاء إلى الله crée la Pour les gens qui sont agréés par lui. Peut-être certains parmi vous n'ont pas assez dans la dunya Ils n'arrivent pas à acheter les chaussures qui sont chères et ils achètent ce qui est de deuxième main. Peut-être certains parmi vous, ça fait dix ans que son ego lui dit « Marie-toi », mais il n'a pas les moyens de se marier. Mais Allah Taala lui a donné la science. Il accomplit la prière et loue Dieu avec sincérité. Il aime la science. Il aime enseigner. Sache que c'est un signe que Allah signe en arabe, « علامة حب الله لعبده علامة حب الله لعبده أن يوقفك بين يديه خاشعا ذاكرا متضرعا باكيا مخلصا صادقا محبا للخير للناس لا تحب الشر للناس لفتك الله تعالى تمي دبو دون لنوي ou dans les cinq prières en groupe,

Que, parmi les gens que الله أغري. الله اكبر. الله اكبر كبيرة ان تكون عبدا يحبه الله، الله اكبر. هلا انتم تحبون الله، انا اقول اعتقد فيكم مو جو الله، هذا شيء كبير، وهذا ان وجدت من نفسك اخلاصا وبعدا عن الحرام Si tu trouves la sincérité, si tu trouves que tu crains Dieu en étant seul, si tu trouves que tu implores et tu invoques et tu fais les adorations sincèrement que pour Allah subhanahu wa ta'ala et que tu maintiens la science et de la divulguer, c'est un signe que Allah la

قالوا هوندغ إيقاي لا خاذل لمن وفقه الله مع علمي بأنه لا خاذل لمن وفق إذا الله وفقك للخير وجعل في قلبك حب العلم حب اتباع الإمام الأشعري والإمام تريد وجعلك ممن يشكرون الله على النعمة نحن أنا أقول سبحان الله العلي العظيم الشيخ عبد الله من إثيوبيا ما اعرف من اي قريه ومن اي بلده من هرر بلا من هرر هي تعتبر ثالث المدن المقدسه تقريبا في الاسلام بعد مكه والمدينه هرر شيء كبير بعد القدس كمان يعني ما كان عندهم سور ما بيدخل الكافر عليها لكن كيف من الله ان جاء الى بلاد الشام فتعرف به بعض الطلبه فجاء طالب الى مدينه لوزان فنشر العلم وجاء طالب إلى مدينة أخرى مثلا بفرنسا أو ألمانيا أو كذا أو كذا فانتشر العلم فوصل إليكم الله أراد بكم خيرا كان يمكن يروح على الباكستان كان يمكن يروح على الهند كان يمكن يروح على بلاد أخرى ولا نتعرف عليه جدي je, je souvent ك لو شيخ عبد الله كي تان سافون شافعي تري موديست كي سورتي دو هرر اي بو rejoindre لي بيي دو شام Et grâce à ça, certains de pays du Chine, du Liban, de la Syrie ont appris chez lui et par la suite d'autres ont immigré. Ils sont venus. Il y a quelqu'un qui est venu à Lausanne, l'autre est venu à Paris, l'autre est venu, je parle des pays, pays européens ou des pays arabes, et la science s'est propagée et il nous est arrivé. Mais c'était possible qu'il aille en Pakistan, en Inde, en Chine ou en Afrique. Et Allahu Alam, est-ce que par la suite on, a, on aurait pu avoir Mais grâce à Dieu, Allah Ta'ala.

Il fumait les cannabis. Il dormait dans la voiture lorsqu'il était chez nous. Il dormait dans la voiture et le frère a passé à côté. Il sentait l'odeur du cannabis. Alors maintenant, et il se prend comme chef Mais la wa la il a dit et je sais bien que personne n'arrive à guider celui que Allah a voulu pour lui l'égarement. Tu n'arrives pas à guider celui que Allah lui a prédestiné l'égarement. Que Allah a su que celui-là va choisir l'égarement et il a fait apparaître sur lui l'égarement parce qu'il a su qu'il va le choisir. Si vous lisez dans le livre de Tasawwuf, parmi les choses qui sont très graves, que la personne s'étale sa langue en critiquant les saints. أنه من أخطر المسائل أن الإنسان يطلق لسانه في الطعن في الصالحين كان واحد أطلق لسانه في الطعن بالنووي فجاء حيوان أكل لسانه بعد الموت وهذا دليل سوء الخاتمة من علامات من علامات سوء الخاتمة أن يكون الإنسان طعانا في الصالحين parmi les signes de la mauvaise fin le fait que la personne critique les grands saints. Il a dit, c'est-à-dire, si Allah, si Allah a voulu la guider, personne n'arrive à égarer et humilier cette personne. Si Allah a égaré une personne, personne n'arrive à le guider. Alors il a dit, je sais ça, mais Allah ta a dit, اهمتت توم تطبيق الايه في سوره العصر هي سوره قصيره بس لو medit dans cette سوره الشافعي يكفيهم الناس لو تاملوا في سوره العصر لكفتهم من حيث ايش لكفتهم من حيث الاعتبار بان الانسان في هذه الدنيا لا له من عمل صالح Alors il a dit, en prenant cela en considération, on se conseille, conseille pour maintenir la vérité et on se conseille de patienter. Parce que maintenir la vérité, par exemple maintenir à prier, à jeûner, à donner la zakat, à faire le hajj, à resserrer les liens avec la famille, à délaisser le haram, à délaisser le, tout ce qui est interdit, ah, c'est ça la, 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 le bien. Et ça demande une grande patience, alors on se conseille que bientôt on va mourir. Patiente, mon frère, patiente. Le fait de, de patienter en faisant les obligations, en délaissant, en délaissant le haram, est beaucoup plus facile que le fait d'être dans Jahannam, en train de subir le feu de Jahannam. Et rappel, et rappelle, si le rappel est

tu parles, tu fais, tu blâmes, tu ordonnes. Mais si tu sais que celui-là, si on lui dit, crains Dieu, il va insulter Dieu, tu n'as pas le droit et c'est plutôt, ça fait sortir de l'islam. يرجى القبول فاذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين وفي ايه فذكر ان نفعت الذكرى اما ان كنت تعلم اما ان كنت تعلم ان التذكير هذا يؤدي الى مفسده اكبر فلا يجوز ان تتكلم le fait de rappeler a quelqu'un qui est très méchant tu le sais si tu vas lui dire ça il fait un péché plus grave alors tu n'as pas le droit de dire لأنك تعلم أنك لو قلت هذا سيزيد في الإثم فلا يجوز أن تتكلم لأنك كنت سببا في الزيادة في الإثم إيه؟ طيب وإن كنت تعلم أن هذا إن كلمته سيتناول الكفر ستكون سببا أنت في دفعه إلى الكفر أنت تعلم يقينا فهذا كفر Alors dans le cas où tu sais que si tu vas lui parler, il va insulter Dieu. Tu sais que celui-là, il est athée, تعرف ان هذا كافر وهو معترض على الله معترض اما لان ابتلاه ابتلاه الله في الدنيا باشياء فكلما سمع اسم الله سبه فاذا هذا لا تقل له لا تكلمه لانك تعلم انك لو كلمته سب الله زاد كفرا فليس لنا ايش ان ندعوه الى زياده الكفر وهذا في القران الكريم سا دون القران الكريم ولا تسبوا الذين كفروا فيسبوا الله عدوا بغير علم يعني tu vas pas l'insulter parce il va insulter par سبحانه وتعالى لا يجوز العدول عن الفساد الى الافسد ومن هنا انه لما الانسان يعرف ان قوله هذا اذا قال كلمه سال سؤالا يعرف ان الاخر سيجيب بالكفر يكون هو استدعى هو طلب الكفر فلذلك يحكم عليه بالكفر هذه قاعده Ah, la règle que si la personne sait que si je dis telle parole l'autre va répondre par la mécréance alors et quand même tu l'as dit tu l'as fait c'est à dire c'est toi qui a causé c'est toi qui as appelé l'autre à mécroire c'est une règle qui est simple et à savoir et à comprendre pour ceux que Allah les a guidés مع بعض الأحيان إذا أردت أن تعرف هذا إلى أي دين يمكن أن تقول أبوك إلى أي دين ينتسب لأنه عند ذلك يحكي عن أبيه نعم قال ابن الجوزي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ليش عم بيقول ابن الجوزي لما قال ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلى دي بس بيرسون Personne ا Personne n'arrive à s'éloigner d'un péché qu'avec la protection de Dieu. Lui, il a dit, moi je vais donner à mon fils ce conseil. Mais de toute façon, rien ne se passe dans le bien qu'avec l'aide de Dieu. Personne n'arrive à s'éloigner d'un péché qu'avec la protection de Dieu. C'est un trésor. بين الاثرياء في لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وورد لا حول ولا قوه الا بالله وحدها وورد لا حول ولا قوه الا بالله العزيز الحكيم سي سمو لا حول ولا قوه الا بالله سايتي دي افيك العلي العظيم افيك العزيز الحكيم اي ميم سي لا حول ولا قوه الا بالله alors ça c'est une bonne chose. اما ما يحصل من بعض الاتراك يعني بعض الاتراك لانه هذا ولعله بعض الناس الثانيين وعلما و... انه نحن ايش؟ بنحب العثمانيين بس حتى بعض الناس يعرفوا، اونيم لي اوتومو اوني با كونتر لي اوتومون انه بس جيروماركي بوكو لا حول سيتو لا حول مي اون دي لا حول سي... شو لا حول لا قوة يعني كيف؟ هي بالاصل اذا اردت ان تقول الذكر فتقول لا حول ولا قوة الا بالله كما مثلا في بعض البلدان من اسمه عبد القادر يقول له عبد القا واسمه عبد الرحمن بيقول له عبد الراه انه عم يختصر واقبح من هذا في بعض البلدان بالاصل كان يسموا عبد الرحمن بعدين صار يسموه رحمن فلا يجوز قطعا ان تسمي انسانا رحمن كما لا يجوز ان تسميه المحيي والمميت الرب لا يجوز مثل هذا أنا بالو de nommer de, de quelqu'un qui s'appelle Abdul Qadir on dit Abdul Qa, ou quelqu'un qui s'appelle Abdul Rahman on dit Abdul Ra pour euh, résumer le nom non tu dis Abdul Qadir Abdul Rahman mais encore pire le fait de dire pour celui qui s'appelle Abdul Rahman on dit Rahman encore j'ai vu ça et ça ça passe beaucoup dans les pays Pakistan Afghanistan et ils donnent ce nom Rahman et même beaucoup des fois vous voyez le nom de famille, ils disent Rahmanof, Rahman. mais non, Ar-Rahman parmi les noms spécifiques à Dieu, comme Allah, comme Dhul-Jalal, Wal-Ikram, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Razzaq, ces noms on ne peut pas donner à l'être humain. Maintenant Aziz, Karim, euh, Raouf, euh, ça c'est des noms qu'on peut, c'est des parmi les noms de Dieu et on peut attribuer aux créatures mais dans un autre signification. الوغ فوالا بور سلوي كي لا حول ولا قوة إلا بالله، يل فو لا حول ولا قوة ونوقف، ليش عم تقول لا حول ولا قوة؟ هو فيه حول وقوة لكن بمشيئة الله. (الوغ) أوندي با لا مواتي إعلم يا بني وفقك الله كيلكو فراز بوغ كلوتوري لا إن شاء الله. مع بداية الكلام en adressant la parole à son fils قال اعلم يا بني وفقك الله للصواب أنه لم يتميز الآدمي بالعقل إلا ليعمل بمقتضى إلى دي ساش من فيس que si l'être humain a été spécifié que Allah leur a donné, lui a donné la raison par rapport aux autres, par rapport aux animaux, nous avons la raison. Si Allah nous a octroyé la raison, c'est pour qu'on mette en pratique ce qu'il nous dicte la raison. Inna tamayaza al-insan an baqi al-hayawan bil-aql li ya'mal bi-muqtada ma yaquluhu al-aql afin de <dogs with dogs> mettre en pratique ce que la raison juge, ce que la raison, la raison donne, implique. Fastaḥdir 'aqlaka wa'mil wa'mil fikraka wa'khlu bi-nafsika. Il a dit alors utilise ta raison, et eh, medite, réfléchis bien, raisonne, prends ton temps avec toi même, tu vas savoir, تعلم بالدليل انك مخلوق مكلف. يعني يوجه ابنه ليستدل بالنظر بان العالم متغير بان هذا التغير دليل على حدوثه وان كان حادثا فلا بد له من محدث وهذا المحدث لا بد أن يكون أزليا لأن المخلوق لا يكون خالقا ولأن المخلوق محتاج وأن هذا العالم مخلوق وأن الخالق هو الله وأن الإله لا يشبه خلقه قال استحضر عقلك prend ton temps réfléchis raisonne euh, pense en étant seul avec toi-même et regarde autour de toi tu vas déduire par l'argument que tu es une Et que tu as des responsabilités. Lorsque tu dis je suis une créature, ça veut dire j'ai un créateur. Et comment tu vas déduire que tu es une créature Par le fait que tu trouves que tu changes d'un état à un autre. Que tu n'existais pas et par la suite tu as existé. Celui qui n'existait pas par la suite est rentré dans l'existence. Ça veut dire il y a quelqu'un qui l'a créé. Regarde autour de toi que lorsque tu vois que le monde change d'un état à un autre, ça veut dire il y a un créateur qui a. Créer ce monde qui change et que ce monde est une créature puisqu'il change d'un état comme Sayyidina ibrahim lorsqu'il a voulu montrer à sa communauté que l'astre la lune le soleil changent alors il ne mérite pas d'être adoré le changement est un signe de contingence اصل مسجد بني اميه من الاف السنين من الاف ايام الانبياء النبوه الاولى ولما كان هذا العالم لا يخلو من اماره الحدث دل على وجود الموجد الازلي هيدي العباره هيك لا مسجد بني اميه lorsqu'ils ont rénové ils ont cherché des rochers une une place ils n'ont pas trouvé ils ont creusé creusé jusqu'à ce qu'ils ont trouvé mais ils ont trouvé un mur Avec des roches et une écriture. Ils ont cherché quelqu'un pour lire. Qu'est-ce qui était écrit par la langue grecque ancienne? Lorsque ce bas monde n'est jamais sans les signes de contingence, puisqu'il change et ainsi. Lorsque on a, envoyé voyait que ce bas monde n'est jamais sans les signes de contingence, il est un preuve irréfutable de l'existence du créateur qui n'a pas de début. on a construit cette place, الله le créateur éternel qui ne ressemble pas à ces créatures. هذا كلام بالتوحيد من, من لب, لب الكلام الذي قاله الاشعري تريدي وتلاميذ الانبياء من الاف السنين كتبوه على هذا المكان الذي تخذا ليعبد الله وحده Hein? Il a dit, pas comme celui qui dit telle et telle personne, parce que c'était des philosophes qui disaient que le monde, son début. Alors lui, il a dit, le monde, il n'est jamais sans les ni contingence. Ça prouve qu'il est une créature et ça prouve qu'il y a le créateur éternel qui l'a créé et il n'a pas il a dit c'est pas comme il dit un tel et un tel parmi les philosophes et cette place ou cette mosquée a été construite un homme de bien il a payé de son argent pour qu'on adore Dieu Azza wa dedans celui qui prie dedans qu'il fait un doigt pour celui qui a construit ça a été comme ça alors lui il a dit à son fils tout d'abord utilise la raison pour déduire

إلا ليعبدون إنه زكريا بوركين نوردون دو لادوغي دوري فافلح من أطاع الله وخاب من عصى الله تروف la réussite celui qui obéit à dieu et il est dans l'échec l'échec et la perte celui qui désobéit à son seigneur والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم والحمد لله رب العالمين والحمد لله على ما أنعم والحمد لله على ما هدى والحمد لله على ما أعان ونسأله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وبنينا أن نعبد الأصنام، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وأهالينا وأقاربنا وأحبابنا من الغلو والإفراط والتفريط والفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأله سبحانه وتعالى أن يحشرنا تحت لواء النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأن يختم لنا بالحسنى وأن يدخلنا دار السلام بسلام والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إذا الكتاب قرة العينين في تربية الأولاد وبر الوالدين لأنه في, في يعني غير لفتة الكبد في أقوال جميلة جدا وملاحظات جميلة جدا هلأ هناك كتاب آخر فيه ثلاث كتب بر الوالدين ولفتة الكبد وفوائد منصورة في بر الوالدين للحافظ الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ألوغ سو ليفر <applause> لا بر الوالدين إلي أونكوغ تروا ليفر إي أن ليفر كي إفراح الأرواح على كتاب مانع السفاح في تعليم C'est-à-dire tout ce qui est important au sujet de mariage, comment faire le contrat de mariage, lorsqu'on dit l'idda, des choses qui sont très importantes à savoir. Et aujourd'hui seulement, parce que ces livres-là, normalement, ça coûte euh, 17 francs, mais aujourd'hui, vous allez payer peut-être seulement 7 francs, vous prenez les trois livres, mais seulement aujourd'hui. Sauf ceux qui nous suivent par la leçon, ils ne sont pas avec nous. على راسي يا حج بشير على راسي قلنا ان كتاب قره العينين هذا كتاب فيه بركه وحتى طباعته حلوه هيك بتشد لونه زهر بينبسطوا فيه الاولاد الصغار بس والامهات ايضا هذا الكتاب مع كتاب افراح الارواح الارواح بما يتعلق احكام عقد النكاح واللي بيعمل عقد النكاح شو المطلوب من الاحكام وكتاب آخر بيتعلق في بر الوالدين ولفتة الكبد يعني هذا الكتاب موجود هنا هدول الكتب الثلاثة بالأصل يعني تقريبا ثمنهم سبعة عشر فاليوم بس حنقول ممكن تاخذوا هذا الكتاب أو الكتب الثلاثة بسبع فرنكات هيك حبينا أن يسر عليكم وتنشروا الخير وتقرأوا في هذا الكتاب لتعملوا به إن شاء الله تعالى والله نرجو أن يكون فيه خير لنا ولأولادنا نو الله سبحانه وتعالى كليا أن بيان pour nous et pour nos enfants par cela والحمد لله رب مش العالمين مشي حج يا حاج بشير مشي الحال طيب يلا نهلل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.